Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter la Pink Box du mois de février. Donc je viens tout juste de la recevoir et j'ai juste enlevé le carton et je vais vous montrer donc je vais vous montrer son contenu. Donc la boîte, le contenu, mais le packaging ne change pas. Donc c'est toujours les mêmes boîtes, c'est toujours la même chose. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. J'ai pas déballé, je n'ai rien touché. Je vous montre son contenu et je vais découvrir en même temps que vous. Voilà. Alors là, j'ai un flyer. Là, j'ai plus de papier. Enfin, j'espère que c'est le code en fait qu'il faut scanner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, pour voir tous les produits. Je scannerai et je vous dirai en fait. Je vous mettrai les prix en bas. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Ils nous disent Let's go green. Dans cette édition, nous vous gâtons avec des incontournables naturels. Il est temps de réapprovisionner votre corps et votre peau en ingrédients précieux issus de la nature et de passer en mode détox. Commencez tout de suite en vous préparant ce délicieux Green Detox Smoothie. Là, on a la recette en fait du smoothie. Je vous mettrai aussi ceci en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour retrouver la recette. Là, je retrouve un flyer. Je vous dirai un peu plus tard. Il me semble que je dois en avoir sûrement un produit de cette marque dans la box. Je commence avec la marque Lavera. C'est une lotion tonique purifiante. Voilà. Pour imperfection et peau mixte. À la menthe bio et acide salicylique naturel. Comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup la marque Lavera. J'ai déjà testé leur gamme en fait pour le visage. Et franchement, c'est très très bien. Et là, c'est un produit vegan. Voilà, je testerai, je vous en dirai mon avis en fait là-dessus. Parce que là, de toute façon, il m'en reste pas beaucoup de, comment dirais-je, pas beaucoup de lotion micellaire dans mon stock, hein. Dans mon backup. Là, je pense que ça va être utilisé très très vite. Ensuite, de la marque Anatomicals. Je pense que c'est ça la marque. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un gommage pour les mains, je pense. Je vous mettrai ici, le nom de chaque produit et ce que c'est parce que et son prix. Parce que là, je sais vraiment pas ce que c'est. C'est de la marque Anatomicals c'est un produit en fait pour les mains en tout cas. De la marque Wella. Là, j'ai reçu une petite miniature de 30 ml. Et c'est un shampoing doux pour tous les types de cheveux. Voilà. Là, je testerai. J'aime beaucoup la marque Wella. C'est un petit contenant. Ça va me faire une seule fois. Hein. Comme ça, je pourrais me faire mon propre avis là-dessus. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. J'ai pas encore testé. Hein. J'ai pas testé le produit, la marque, j'aime vraiment beaucoup. De la marque Sunstar. Là, j'ai reçu un. C'est en quoi?
C'est écrit en anglais. Ah, c'est une, comment ça s'appelle? C'est un dentifrice bio comme ceci. Voilà. Donc c'est à la menthe et à l'aloe vera. Donc c'est un produit vegan aussi. Donc je testerai. Donc ça sent super bon la menthe. Donc après, voilà. Donc c'est un tube comme ceci. Donc ça, je testerai vraiment. J'aime beaucoup en fait les dentifrices bio. Donc cette marque-là, je la connais pas du tout. C'est la marque Sunstar. Donc c'est indiqué ici en tout petit. Donc voilà, je vous mettrai je vous mettrai en fait le nom, enfin le prix aussi pour, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu de la marque Golden Rose. Et là, c'est un highlighter. Ouais, c'est un highlighter comme ceci en stylo. Voilà. Donc là, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour voir. Je suis pas trop highlighter en ce moment, donc je n'utilise pas. Mais bon, bref, je le donnerai à ma fille, sinon à mes filles. Voilà. Alors. Si j'arrivais à l'ouvrir. Alors, ça sent rien. Donc, c'est un stylo comme ceci, un crayon. Oh, il est très beau. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Donc, je l'ai appliqué là. Je ne sais pas que vous voyez bien. Là, vous entendez la musique aussi. C'est ma fille qui écoute la musique en se touchant. Voilà. Donc, il est très beau. Donc, après. Peut-être que je vais l'utiliser en fait en arcade sourcilière. Donc voilà. Pas mal. Et le dernier produit, donc là je trouve une barre de céréales comme ceci. C'est la marque. Alors, c'est la marque Taste of Nature. Je pense que c'est ça la marque. Donc, c'est une petite barre aux céréales. Donc, je testerai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup manger en fait. Et franchement, à chaque fois quand je trouve ça en promotion, j'en achète parce que c'est tellement meilleur en fait que de manger en fait un chocolat ou voilà. Je préfère manger ceci. Mais quand je peux pas, quand je n'en ai pas en fait, je prends en fait du chocolat. À la place, c'est pas bon. Donc là, c'est à la vanille. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et je sais pas où on peut trouver en fait ces produits-là. Donc, je verrai. Sûrement, c'est indiqué, tout est indiqué en fait sur ce code-là. Donc, je testerai en fait. Je vais scanner le code et je vous mettrai en fait tout en barre d'infos. Voilà pour cette box. Donc là, à ce que j'en pense, en fait que qu'elle est moyenne. Voilà. Elle est vraiment moyenne parce que là, en fond ma vente, il n'y a que ça. Donc il n'y a que l'eau micellaire. Hein, donc après, et il y a ça aussi. Mais bon, bref, là, je pense pas qu'on atteint même les 50 francs parce que là, vu ce que j'ai reçu, en fait, je pense pas que j'ai pour 50 balles. Donc, voilà. Bon, bref, la box, elle coûte 21,90. Enfin, elle coûte 19,90. Mais moi, je paye 2 francs de plus parce que je paye par facture. Donc, ce qui veut dire que je reçois la facture et que je la paye. Dans les 3 semaines qui viennent, donc voilà, je préfère payer sur facture que de faire un le prélèvement automatique. Voilà. Et sinon, je pense que je vais recommencer à reprendre en fait la goodie box parce que j'ai beaucoup aimé en fait cette box et c'est dommage que je l'ai arrêtée. Donc là, je pense que je vais modifier. Je vais la reprendre pendant un certain moment
Et sinon, je vais arrêter, si je vois que j'ai des produits en trop, j'arrêterai la Pink Box et je reprendrai la Goodie Box parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de produits. Et il y a beaucoup plus de produits, en fait, de format vente, de grand format, que là, j'ai des miniatures, en fait. Peut-être que ça, c'est le format vente aussi, je ne sais pas, mais voilà. Bref, je pense que ça doit être un gommage pour les mains. Ou une crème. C'est pas indiqué en fait. C'est peut-être une crème. Ouais, c'est peut-être une crème. C'est une crème pour les mains. Mais c'est pas indiqué en fait. C'est pas. Ah bah si, c'est indiqué crème. C'est crème pour les mains. Bref. Voilà. Je trouve que de plus en plus, en fait, ils nous mettent en fait des produits de mini format. Là, ça m'agace un peu, mais bon, bref. N'hésitez pas à me dire, en fait, ce que vous pensez de cette box. Et dites-moi si vous avez déjà testé ces produits-là. Moi, je vous fais très, très gros bisous et je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!